Gruffalo, écrit par Julia Donaldson, illustré par Axel Scheffler. Une petite souris se promène dans un bois très sombre. Un renard l'aperçoit de son terrier et la trouve très appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Viens, viens, je t'invite à déjeuner chez moi. Merci, monsieur le renard, mais je ne peux pas accepter. J'ai rendez-vous avec un gruffalo. Un gruffalo? C'est quoi, un gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le gruffalo? Gruffalo a des crocs et des griffes énormes. Ses dents sont plus coupantes que celles d'un requin. Où avez-vous rendez-vous? Ici, près des rochers. Et son plat préféré, c'est le renard à la cocotte. Oh, le renard à la cocotte, vraiment? Bon, eh bien, salut petite souris, dit vite le renard, et il se sauve. Pauvre renard, il ne sait donc pas que le gruffalo n'existe pas. La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un hibou l'aperçoit de son arbre et la trouve très appétissante. Où vas-tu, jolie petite souris? Veux-tu prendre le thé dans mon nid? Merci, monsieur le hibou, mais je ne peux pas accepter. J'ai rendez-vous avec un gruffalo. Un gruffalo? C'est quoi un gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le gruffalo? Les genoux de Gruffalo ont des bosses. Ses orteils sont tout crochus. Son nez porte une affreuse verrue. Où avez-vous rendez-vous? Ici, au bord de l'eau. Et son plat préféré, c'est le hibou au sirop. Le hibou au sirop? Oh, pardon, mais je dois partir. Salut, petite souris, dit vite le hibou. Et il s'envole. Pauvre hibou, il ne sait donc pas que le gruffalo n'existe pas. La petite souris continue sa promenade dans le bois très sombre. Un serpent l'aperçoit de son terrier et la trouve très appétissante. Vas-tu, jolie petite souris? Je t'invite à une fête dans mes appartements. Merci, monsieur le serpent. Mais je ne peux accepter, j'ai rendez-vous avec un gruffalo. Un gruffalo? C'est quoi un gruffalo? Comment? Vous ne connaissez pas le gruffalo? Les yeux de gruffalo sont oranges. Sa langue est toute noire. Son dos est couvert de piquants violets. C'est où avez-vous rendez-vous? Ici, sur la rive. Et son plat préféré, c'est le serpent aux olives. Le serpent aux olives? Oh, mais j'y pense. Je suis attendu. Salut, petite souris, siffle vite le serpent et il s'enfuit. Pauvre serpent, il ne sait donc pas que le gruffal. Oh! Quel est ce monstre avec ses crocs énormes, ses grosses griffes, ses dents plus coupantes que celles d'un requin? Ses genoux ont des bosses, ses orteils sont tout crochus, son nez porte une très grosse verrue. Ses yeux sont oranges, sa langue est toute noire et son dos est couvert de vi piquants violets. Oh! Au secours! À l'aide! C'est un gruffalo! Une petite souris, mon plat préféré, gronde le gruffalo. Tu seras succulente sur un lit d'artichaut. Succulente? Dit la petite souris. Ne dites plus jamais ce mot. Je suis la terreur de ces bois. Vous allez voir, tout le monde tremble devant moi. Parfait,
dit le Gruffalo, secoué de rire. Montre-moi, passe la première, je te suis. Il marche un petit moment et tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends siffler dans l'herbe par ici. C'est un serpent, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le serpent regarde le Gruffalo. Oh ! Siffle-t-il. Salut, petite souris ! Et il s'enfuit en rampant le plus vite possible. Alors, je vous l'avais dit ? Stupéfiant, répond le Gruffalo. Ils reprennent leur marche. Tout à coup, le Gruffalo murmure. J'entends un houhou dans les arbres. C'est un hibou, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le hibou regarde le Gruffalo. S'écrie-t-il. Salut, petite souris. Et il s'envole aussi haut qu'il peut. Alors, je vous l'avais dit. Étonnant, remarque le Gruffalo. Il marche encore. Tout à coup, le Gruffalo murmure. Voilà que j'entends des pas près d'ici. C'est un renard, dit la petite souris. Bonjour, mon ami. Le renard regarde le Gruffalo. Oh ! Au secours ! Crie-t-il. Salut, petite souris ! Et il rentre dans son terrier. Alors, triomphe la souris. Vous avez vu ? Tout le monde tremble devant moi. Et maintenant, j'ai faim, très faim. Et mon plat préféré, c'est le Gruffalo en purée. Le Gruffalo en purée ? Oh, salut, petite souris ! Et l'affreuse créature se sauve en courant. La forêt est calme et en paix. La petite souris, assise sur un rocher, savoure tranquillement une noix.